Bienvenue à nos téléspectateurs du monde entier. On va finir de s'échauffer ensemble et ça va pouvoir commencer. Grégoire Margoton pour assurer les commentaires de cette confrontation et j'aurai à mes côtés Darren Tulette qui nous livrera son analyse technique. Ladies and gentlemen, j'espère que vous êtes aussi impatients que nous d'assister au coup d'envoi. Madrid qui voit les rencontres s'enchaîner ces temps-ci. Et oui, et c'est là qu'il faut pouvoir compter sur un gros effectif. Ils ont vraiment besoin de tous les joueurs. Dans le dos de la défense, la passe est précise. Il manquait pas grand-chose là. Premier corner dans cette rencontre. Il ne sera pas à temps sur cette balle. Madrid, qui s'était imposé lors de la dernière confrontation entre les deux équipes, et espère bien remporter une nouvelle victoire aujourd'hui. Modric. Pas d'évolution au score, toujours 0-0. Il tente de la jouer dans l'espace. Faut que ça va partir vite. Au départ, c'était une bonne idée d'aller percuter comme ça. Et il est renvoyé par le poteau. C'est vrai que c'est mal joué de sa part, mais ses partenaires lui ont pas proposé grand-chose non plus. Quelle reprise de volée! Il met la tête. Un grand dégagement le plus loin possible. Faut frapper là. Oh, l'intervention magnifique. Oh, c'est un arrêt important ça. C'est un super arrêt. Fine save. Toni Kroos, il va tirer ce corner. Il préfère le jouer court. Pour le centre. Oulala, quel dégagement en catastrophe! Toni Kroos. Bonne intervention, ça pouvait créer le danger. Léo. Kovacic. Il préfère repasser derrière. C'est plutôt intelligent. Dans l'espace. Il ne se pose pas de questions. Pour trouver la faille dans la défense. Long ballon dans le sens du jeu. Il glisse le ballon en profondeur. Sergio Ramos qui est récompensé de son pressing. Oui, mais c'est mal fait, c'est mal joué cette contre-attaque. Il y avait beaucoup mieux à faire. Bale. Il va au duel et la porte s'est refermée. Longue ouverture en direction du poteau de corner. Il cherche un coéquipier dans l'axe. Et ce corner à la rémoise. Il centre directement. C'est la fin de la première période. Certains joueurs ont l'air fatigués. La pause va leur faire du bien. La défense a fait du super boulot. Ils ont bien contenu les attaques adverses. Je ne me souviens même pas d'une occasion. Aucun but marqué. Donc on en reste à 0-0. Madrid, pour moi, a dominé cette première période.
Bon, ça ne se voit pas au tableau d'affichage pour l'instant, mais ça pourrait venir sous peu. Kovacic, le centre, il marque! Et le match s'anime enfin dans cette seconde période. Un centre parfait, il n'avait plus qu'à réussir son coup de tête. Qu'est-ce que c'est bien joué ça, comme quoi pas besoin d'être un grand attaquant pour marquer de la tête. Et le voilà maintenant au coude à coude avec les meilleurs buteurs de la compétition. Et ça fait donc 1-0. C'est tout sauf une surprise de le voir marquer celui-là. Ça fait du bien à son équipe. C'est joué long vers le poteau de corner. Le gardien loin devant. C'est joué long, attention. La défense s'en sort là. La bonne passe. Quelle bonne passe. Il va frapper et il marque. Ils creusent l'écart, ils ont maintenant 2 buts d'avance. Quelle précision, le gardien ne pouvait rien faire. En plus, je crois qu'il la frappe d'instinct, sans regarder les buts. Torrejón, qui inscrit là son premier but de la saison. Le tableau d'affichage indique désormais 2-0. Alors là, c'est un but qui fait du bien. À 2-0, ils peuvent voir venir. Un bon ballon vers le côté. Quel timing dans l'interception. Un ballon intéressant. Mais la défense se donne de l'air. En retrait pour repartir proprement. C'est joué long. Bale. C'est dommage, c'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Cette défense me fait un peu penser à la fameuse tortue des légions romaines. Très lente, vous voulez dire? Ah, Rennes, il faut réviser vos classiques. Non, je voulais dire regrouper dans l'axe sans rien qui dépasse. Ah, d'accord. Mais pourquoi il appelle tortue? Bon, allez, je vous expliquerai ça hors antenne, on enchaîne. Le dernier coup de poker de l'entraîneur. 2 changements d'un seul coup, le manager a décidé de faire tourner. Sans la frappe, il peut en profiter. Et voilà, but! 3 buts d'avance, l'affaire semble être pliée maintenant. Quelle précision, le gardien ne pouvait rien faire. Alors là, c'était totalement impossible d'aller la chercher. Torrejón, qui double son capital but avec sa 2e réalisation de la saison. Le match reprend 3-0 au tableau d'affichage. C'est bien donné, sur le côté. Il cherchait la profondeur, mais en face, défensivement, ça répond présent. Oui, il va falloir dire que ça manquait de précision aussi. Madrid qui peut construire. Il est lancé vers le poteau de corner. Cristiano Ronaldo, bien servi sur le côté. Ah, finalement, un centre qui ne donnera rien. Torrejón, qui pourrait peut-être s'offrir un triplé aujourd'hui. Oh, ça aurait pu être le 4e but. Et le gardien s'en saisit, tranquille. Oh, on va jouer, c'est beaucoup, 5 minutes de plus. Oh, le petit ballon piqué, il peut frapper. Oh, il était bien placé, quelle occasion ratée. On sait de quoi il est capable. L'équipe entière tourne autour de lui, c'est clair. À la limite, l'équipe joue pour lui. Pasta. Bon jaillissement, il fallait intervenir. C'est fini, le match est terminé.
On l'a senti dès le début de la rencontre. Ils étaient là aujourd'hui pour attaquer, pour marquer, pour faire une vraie différence. Ils y sont parvenus avec maestria. Eh bien, tout simplement, on gagne, on prend pas de but. Tout le monde est heureux, non ?